Bonjour, voici une capsule vidéo pour vous montrer comment utiliser l'assistant de configuration de la plateforme de visioconférence VIA. Pour accéder à cette plateforme, il suffit de vous rendre sur le site des après-cours FGA à l'adresse suivante: aprèscours.ticfga.ca. Donc je répète, aprèscours.ticfga.ca. Sur cette page, vous aurez un lien accès direct à VIA. Il suffit de cliquer sur ce lien. Vous accédez à la page de présentation de la salle privée des après-cours FGA. Dans le milieu de cette page, en bas, vous aurez le lien Assistant de configuration. Il suffit de cliquer sur ce lien. Le test numéro 1, connexion au serveur VIA, va s'effectuer. Il peut prendre de 1 à 2 minutes. Par la suite, le test vitesse de connexion s'effectuera. Ensuite, il y aura un test sur les performances de votre ordinateur. Ensuite, il y aura un test sur la sortie audio. Je vous suggère d'utiliser un casque d'écoute pour éviter les retours de son. Lorsque vous entendrez l'extrait sonore dans votre casque d'écoute, vous pourrez cliquer sur le lien « J'entends la musique ». Le test du microphone débutera. Une fenêtre d'Adobe Flash Player s'ouvrira et vous devrez cliquer sur « Autoriser ». Vous verrez alors la fenêtre du microphone. Vous devrez choisir le bon microphone. Si vous utilisez un casque d'écoute avec microphone, vous devrez le choisir dans la liste. Si vous utilisez un portable, vous devrez choisir soit le micro de votre portable ou le micro de votre casque d'écoute. Il faudra ajuster le volume. Moi, j'ajuste toujours mon volume environ à 60%. Il faudra l'ajuster entre 50 et 70% pour éviter que le volume aille jusqu'à dans le rouge. Vous pouvez effectuer un test. 1, 2, 3, test. 1, 2, 3, test. Vous pouvez écouter votre test. 1, 2, 3, test. 1, 2, 3, test. Si tout est convenable, vous avez juste à cliquer sur « Continuer ». Le sixième test, caméra web, on vous demandera de sélectionner votre webcam. Si vous en avez une, ce n'est pas obligatoire. Si vous en avez une, il suffit de cliquer sur « Activer ». Pour faire apparaître votre visage à la caméra, donc vous pouvez terminer en cliquant sur « Je vois l'image de ma caméra ». Donc vous verrez que les six tests ont été effectués de façon convenable. Vous pouvez terminer en cliquant sur le X en fermant la fenêtre. Maintenant, vous êtes prêt à inscrire votre prénom et votre nom, puis d'accéder à la salle de visioconférence de VIA pour les après-cours FGA.